C'est un engagement sur 10 ans que viennent de signer le chantier naval Quash et la SNSM, la Société Nationale de Sauvetage en Mer. Un contrat modulable en deux tranches pour un total de 70 bateaux et 50 millions d'euros. C'est un investissement important pour la SNSM, financier important. C'est aussi un investissement humain. La SNSM, les bateaux de la SNSM, ils sont mis en œuvre par des bénévoles. Ces bénévoles, il faut les qualifier, il faut qu'ils soient parfaitement formés. Et donc, c'est un tout. Il y a des hommes, il y a du matériel, il y a de la formation. Et c'est cet ensemble-là qui fait que la SNSM restera performante comme elle l'est aujourd'hui. Avec ce contrat exclusif, les sauveteurs en mer veulent resserrer la gamme de leurs bateaux. 19 modèles aujourd'hui, 2 hauturiers et 4 côtiers à l'avenir. Quash sous-traitera les semi-rigides à l'entreprise toulousaine Z Nautique et construira les autres embarcations dans son chantier de Gujan-Mestras. Ça pérennise le contrat de Quash pour les prochaines 10 années. Derrière, c'est aussi une opportunité extraordinaire sur cette gamme de produits. Pour l'export, c'est clair, la SNSM, c'est une vitrine, c'est une image de marque, c'est ce que j'appelle le Made in France qu'on peut exporter. Et j'espère qu'il y aura d'autres contrats dans toute cette gamme de produits que c'est les bateaux de sauvetage aussi pour l'étranger. 200 personnes travaillent actuellement chez Quash. Elles doivent livrer le premier bateau à la SNSM en 2021.